Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Jésus-Christ n'est pas une nouvelle religion. Jésus-Christ n'est pas une idole. Jésus-Christ est la révélation de l'expression de la pensée de Dieu pour notre humanité. Il est le resplendissement de sa gloire. Il est venu nous révéler quel était son profond désir pour chacun d'entre nous. Et nous verrons que c'est ce que Dieu dira lorsque les apôtres iront sous la nuée, ils entendront une voix venir du ciel et il lui dit ceci, ceci, ils entendirent ceci, celui-ci, 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 et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez la voix de Dieu qui parle au-dedans de vous. Écoutez ce qui a été gravé par des lettres de feu sur vos cœurs. Mais ça ne date pas d'hier. Ça remonte à la création de l'être humain. Vous comprenez que Dieu ne fait pas les choses à la légère. Dieu fait les choses et il ne change pas. Dieu a un plan qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et pour l'éternité, il est le même. Son plan, sa pensée, son désir pour ta vie est la même depuis le commencement. Avant même le commencement, le désir de son cœur était présent et il a fallu qu'il se manifeste pour que l'entièreté du plan de Dieu puisse être mis au grand jour afin que toi qui es né sur la terre, tu puisses remonter au ciel. En attendant, parce que Dieu connaît, puisque c'est lui qui nous a formés par sa main. Il connaît la nature de l'être humain mieux que quiconque. Elle provient, elle procède de lui. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème. C'est quand le céleste rencontre le terrestre. Alors, il y a une dualité qui va se former. Un combat. Toute la pensée hébraïque, beaucoup de mots en hébreu sont duels. Il y a toujours ce combat. Les yeux, c'est deux yeux. Les mains, c'est deux mains. Les jambes, c'est deux jambes. Il y a une dualité droite-gauche. Et cette dualité, nous la retrouvons dans l'ADN même de l'être humain. Et j'entendais Julien dimanche dernier, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et d'un côté, je suis là, ça bouillonne, et de l'autre côté, je vois le Seigneur et tout est bien. Mais parce que, on va le voir. Excusez-moi, on a besoin d'ouvrir les yeux sur l'Écriture. Les lettres. Excusez-moi, le message il est profond ce matin. On va remonter à la racine de notre humanité. Parce que nous avons besoin de comprendre de quoi nous avons été formés. Avant que Dieu fasse cette création, avant tout ça, Dieu avait une pensée.
L'Écriture déclare qu'il tient les mondes par sa parole puissante. Les lettres hébraïques, elles se sont réjouies de savoir que c'était par elles que Dieu allait se servir pour créer l'humanité, la création. Juste une petite lettre. C'est pour ça que Jésus dira, mais si tu ôtes un iode, la plus petite de toutes ces lettres, tout s'effondre. Dieu, excusez-moi, ça fait 15 jours que je bouillonne. Et là, je vais exploser. Dieu a caché des choses dans l'Écriture. Des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais qu'il a réservées à être révélées pour ceux qui le cherchent et qui l'aiment. De quoi ? Dites-moi de quoi ? De tout leur cœur. De toute leur pensée. De tout leur être intérieur. De toute leur intelligence. Et Jésus dira, celui qui cherche, pas celui qui vient s'asseoir tous les dimanches à l'église, celui qui cherche, il trouve. Cherchez, je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas mieux. Mais ce que nous allons voir ce matin, Dieu le permettant, vous allez comprendre. Et comprendre les richesses, la sagesse, l'intelligence de Dieu à notre égard. Et peut-être qu'on arrêtera Ne t'inquiète pas, ça vient, ça monte jusqu'à ce que ça apparaisse et que tu vives ces choses-là. Mais Dieu veut nous révéler l'excellence de sa grandeur. Entends-tu ça? Nous sommes en 2021. L'Église devrait être des maîtres, avoir compris les choses. Au lieu de ça, nous sommes nés dans une génération où la religion a pris le dessus. La religion christianisme, la religion judaïsme. Nous ne sommes pas appelés à être des religieux, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, manifestant la gloire de Dieu. Alors, ce matin, je vais me soumettre à vous. Parce que je ne suis pas mieux que vous. Et peut-être que comme le disait mon frère Francis, il me disait, mais des fois, je déraisonne. Et je disais à Katia, je déraisonne. Parce que quand Dieu te saisit et commence à vouloir te révéler les choses d'en haut, alors quand tu arrives en bas, c'est ton intelligence humaine qui commence à comprendre et tu te perds parce que tu te dis « je déraille ». Je déraille. Oui, je déraille. Mais je sais pourquoi je déraille. Parce qu'à l'époque, j'ai déraillé selon la chair et aujourd'hui, je déraille selon l'esprit. Voyez, et je comprends les deux choses. Et je sais que dans le déraisonnement que Dieu m'accorde, je sais que la raison ne peut l'emporter, n'est-ce pas? Alors, ce matin, excusez-moi, je vais être déraisonnable.
Pourquoi? Parce que ça va nous donner une clé. Une clé de comprendre que tout ce que nous sommes, nous y sommes pour rien. Et que tout est pure grâce. Et que même dans la formation de l'être humain, Dieu avait déjà tout prévu. C'est pas depuis la croix, c'est depuis avant le commencement. Alors je reprends l'écriture, acte 17, verset 2. Et ce matin, je vais vous demander d'être des Béréens. Que vous puissiez venir me voir peut-être dans 2-3 jours et me dire, mais Julien, tu pars en vrille. Tu dis des choses qui ne sont pas de l'écriture. Tu dis des choses tordues. Ou peut-être pas. Peut-être vous viendrez me voir et vous bénirez le Seigneur de ce que vous avez entendu. Mais soyez des Béréens, s'il vous plaît. Je me soumets à vous. Et si je déraille, je serai capable de demander pardon au Seigneur. Acte 17, verset 2. Et selon la coutume, Paul entra vers eux, et pendant 3 sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts. Et on va prendre un peu plus bas, il me semble. Voilà, or, donc verset 11, « Or ceci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, c'est-à-dire les Béréens, ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour, les Écritures, pour voir si les choses étaient ainsi. » Voilà. Donc, je vais vous poser ce fondement, vérifier. Je peux me tromper. Un verset que nous connaissons tous, Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu, vous entendez, les Écritures, la parole de Dieu est vivante, opérante, plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et ça part de là. En effet, chaque livre, chaque chapitre, chaque phrase, chaque mot et chaque lettre de l'Écriture contiennent en eux-mêmes un poids de gloire éternelle qui vise, il y a un but, qui vise à bâtir en nous celui qui est venu rétablir l'image de l'invisible, à savoir celui qui dit de lui-même « Je suis ». Je suis, ayez à chair, ayez, je suis, je serai celui qui sera. Pas je suis, je transcende le temps, je transcende l'éternité, je suis celui qui suis, dit l'Écriture. Je répète, pour que vous compreniez et que vous assimiliez ce qui vient d'être dit. En effet, chaque livre, chaque chapitre, chaque phrase, chaque mot, chaque lettre de l'Écriture contient en eux-mêmes un poids de gloire éternel qui vise à bâtir en nous celui qui est venu rétablir l'image de l'invisible, à savoir celui qui dit de lui-même « Je suis ». Oh, hé ! C'est de la dynamite. Rétablir l'image de l'invisible, de celui qui dit de lui-même « Je suis ». C'est à ça que ça vise l'Écriture.
nous faire réintégrer notre position céleste. En réalité, nous ne pouvons pas parler de Dieu lui-même. Tu ne touches pas à Dieu. Tu ne peux pas parler de lui. Tu peux parler de l'expression de sa pensée, de sa volonté, mais tu ne peux pas parler de Dieu. Car qui pourrait toucher à l'infiniment grand, à l'infiniment puissant, à l'infiniment bon, à l'infiniment juste, à l'infiniment sage, à l'infiniment miséricordieux et à l'infiniment aimant? En d'autres termes, l'Éternel. Qui peut toucher à ça? Nous qui sommes finis, pouvons-nous toucher aux choses éternelles? Nous qui avons une fin ici sur cette terre. Est-ce que tu crois que tu peux parler de Dieu? Tu parles de sa volonté. Tu ne parles pas de Dieu lui-même. Kadosh, 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 Adonai, Elohim Tsebaot. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Et le prophète, quand il monte en esprit, malheur à moi. Malheur à moi qui suis un homme. Car j'ai vu. J'ai vu. Pourtant, toute sa parole, mais aussi la vie que nous menons ici-bas, nous donne des enseignements sur la grandeur de son nom, du principe agissant de sa divine puissance sur la terre, mais aussi dans le ciel. En fait, la création entière est remplie de sa gloire, que l'être humain néglige, foule aux pieds, malgré lui. Tu comprends ? La création entière est remplie de la gloire de Dieu. Elle est remplie. Que l'être humain néglige, foule aux pieds, malgré lui. Pourtant, dans sa grâce, un mot si souvent galvaudé, notre Père manifeste son amour en nous, en nous attirant à la croix, afin que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Il nous attire à la croix afin que tu sois sauvé. Mais ce n'est pas la seule chose. Aussi, aussi que nous prenions place, que nous prenions place dans celui qu'il nous a révélé selon son bon plaisir. Allez. Tu vois, oh, je suis sauvé. Ouais, je suis sauvé. Tu continues à faire n'importe quoi dans ta vie. Alors que Jésus est venu rétablir toutes choses en toi. Corps, âme, esprit, que vous soyez sanctifiés, corps, âme, esprit. Et encore, il y a une dimension dans l'âme et dans l'esprit que nous avons besoin d'approfondir, parce que ça ne veut rien dire. Ça veut dire, mais il faut creuser. Qu'est-ce qu'il y a? Nefesh Raya, Neshama, c'est quoi ces choses? Yerida, sagesse, intelligence, bonté, force, soumission. Allô, allô, allô. Vous transmettre selon le bon plaisir de notre Père par l'Esprit Saint. C'est la manifestation de son intelligence et de sa sagesse à l'égard de tous les enfants qui l'ont reçu. Pas une sagesse humaine, pas une intelligence humaine. Une sagesse et une intelligence renouvelées dans l'Esprit Saint. S'il vous plaît, Paul dira, soyez renouvelés dans votre intelligence. Rétablir l'ordre dans ta vie.
dans ma vie, de tout ce qui est tordu, de tout ce que le diable a fait en toi avant que tu rencontres le Seigneur. Il est venu redresser l'arbre qui a poussé de travers. Tu comprends? Et pour ça, nous devons être coopérants. Accepter. C'est la soumission à Dieu. Ne plus rien revendiquer. Arriver au bout du bout et de dire, Seigneur, voilà, je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Je ne sais pas comment faire. Je suis faible. Aide-moi. Au lieu de chercher à, par des raisons humaines, des psychologues, des tout ce que tu veux pour essayer de remettre un peu en ordre ta vie, alors que Jésus, son sang a coulé à la croix pour te purifier de toute iniquité, de tout péché, de choses à venir et passer. Et ça y est, c'est fait. Tout est accompli, Père. Souvenons-nous des commandements de Moïse qui, selon la grâce... Ah, quoi? La loi? La grâce? La grâce! Moïse était sous la grâce! Non, il était sous la loi! Non! La grâce qui lui a été donnée de recevoir l'image même de celui qui devait venir, et cela pour un temps... Et cela pour un temps, jusqu'à l'accomplissement des promesses même de Hachem. Hachem, c'est Dieu, hein, c'est les Juifs, ils vont pas dire Dieu, ils vont dire Hachem, le nom, ils peuvent pas prononcer le nom de Dieu. Et nous, les nations, hein, Jésus, hein. Pardonne-nous, Seigneur. Afin que nous ne nous égarions pas. Un verset clé de l'Écriture doit venir un pilier de notre foi. Et ça, mémorisez-le. Deutéronome 6, 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel, un seul Dieu, pas deux dieux, pas un seul, un, Echad, un. Deutéronome 6, 4 et Deutéronome 6, 5. Écoute, il faut que tu en arrives là. Parce que quand tu vas en arriver là, le Seigneur va te donner des choses. Ah, t'as pas le choix. Écoute-moi, t'as pas le choix. Il est ta seule priorité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Afin de pouvoir établir l'ordre divin au travers de l'Écriture et de l'Écriture seulement. Pas des prédications qu'à sur YouTube. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu écoutes une prédication qu'à sur YouTube, si tu connais l'Écriture, si tu la connais, cette Écriture, alors tu vas pouvoir discerner si ce qui est donné est bon ou pas bon. Est-ce que le bonhomme qui parle, il dit la vérité? Ou est-ce que tu gobes sans savoir ta droite de ta gauche? Nous devons plonger nos yeux dans le Saint des Saints.
attendez, vous savez ce que c'est que le Saint des Saints? Le Saint des Saints, c'était l'endroit où se trouvait l'Arche de l'Alliance, dans laquelle se trouvait la manne, dans laquelle se trouvait la loi, dans laquelle se trouvait la verge d'Aaron qui avait refleuri, qui était en bois d'acacia, recouvert d'or, et sur laquelle le souverain sacrificateur, une fois l'an, au jour du Yom Kippour, venait verser le sang de l'agneau, afin que ce qui est dedans ne te condamne plus. C'était une nourriture excellente pour le souverain sacrificateur. Une révélation de la grandeur de Dieu. Il y avait aussi le lieu saint, où il y avait des pains de proposition qui étaient, eux, pour le peuple. Mais ça, excusez-moi, mes frères et sœurs, c'était pour un temps. Aujourd'hui, le voile est déchiré, n'est-ce pas? Le voile est déchiré. Aujourd'hui, nous avons accès au trône de la grâce, à la connaissance divine, la connaissance de la pensée de Dieu, et de son amour, et de sa justice à ton égard. Nous devons, pour comprendre la fin, remonter au début. Car avant la fin, il y a forcément un commencement. Et le but de cette prédication, c'est de nous amener ensemble, à comprendre l'œuvre de la croix, afin que nous soyons entièrement libérés de tout ce qui nous empêche encore d'être arrivés à la stature parfaite de Christ. Laquelle, je le rappelle, nous sommes tous appelés à revêtir, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, non seulement au temps présent, comme les apôtres l'ont reconnu quand Jésus était remonté auprès du Père, ils avaient compris la nature du Christ. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient prêcher l'Évangile. Mais aussi, écoutez bien, et aussi dans le monde à venir, puisque ni la chair ni le sang n'hériteront du royaume. Tu es appelé à revêtir la nature de Christ maintenant, sur cette terre. Parce que si tu ne revêts pas la nature qui t'a été accordée par grâce, tu ne rentreras pas dans le royaume. Tu ne rentreras pas dans le royaume. Vous avez été rachetés, non par de l'or et de l'argent, mais par le précieux sang de l'agneau immolé pour nos péchés. Pierre. Nous devons. Et ce n'est pas une option. Mourir à nous-mêmes. Ce n'est pas... Ce n'est pas une option, mais la volonté même de Dieu pour qu'il puisse manifester son Fils, le Christ, en nous. Pourquoi tu crois que l'Église, elle est pauvre, elle est nue, elle est aveugle, elle est... Parce que elle n'a pas revêtu sa nouvelle nature. Elle s'est détournée. Elle a continué dans le chemin qui l'amène vers la perdition. Au lieu de se tourner vers Adonai. Oh, vous savez que ça bouillonne. Plus nous accepterons
que le vieil homme meure, plus Christ grandira en nous. Mais c'est ta volonté. Une volonté, écoute bien, c'est ta volonté à l'intérieur de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as à faire de plus que d'accepter ? Si nous disons avoir reçu l'Esprit Saint, alors après un certain temps de marche, le temps pour lui de croître en nous, nous devons manifester les sentiments de Christ. Qu'est-ce que c'est que les sentiments de Christ ? Quels sont-ils ces sentiments de Christ ? Eh bien, on va les retrouver dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Écoutez, on a dit que Dieu était un, n'est-ce pas ? On a dit qu'il était Erad. Alors nous devons tous être Erad. Parce que Erad en hébreu, entendez bien et écoutez, Erad en hébreu, c'est l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Nous sommes plusieurs. Mais nous sommes un. Et Paul, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, c'est une épître qui plaît à Philippe, elle porte son nom. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion d'esprit, si tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est dans les autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée, qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, vous allez voir ce qu'on va voir, ça va être extraordinaire, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a élevé, l'a haut élevé, et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oh, c'est de la dynamite. De la dynamite. Vous vous rendez compte ? Hé ! Faisons l'homme et qu'il domine ! Je vous ai dit, revêtir la nature, la nouvelle nature dans laquelle Christ nous a créés, c'est accepter, simplement, croire simplement. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais si tu crois en Jésus, ta vie doit changer! Je crois. Je crois. Je crois. Mais moi aussi, je crois. Et je sais même conjuguer le verbe. Qu'en est-il donc de Dieu ? Pardon. Qu'en est-il donc de la volonté de Dieu en Christ à notre égard ? Eh bien, écoute bien. Luc 9, verset 35. «
une voix. Et il y eut une voix venant de la nuée, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Jésus dira, mais si vous dites que vous m'aimez, si vous dites que vous m'aimez, oh, si vous dites que vous m'aimez, pourquoi vous n'obéissez pas à mes commandements? Tu comprends que tu ne peux pas être un faux témoignage de toi-même. Remue-toi. Remuons-nous dans l'esprit. Oh, Seigneur, on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'espère de tout mon cœur. Vraiment, le Seigneur m'a travaillé. J'ai demandé à mon épouse comment j'étais. J'ai bouillonné pendant 15 jours. J'étais devant la parole. Le soir, j'étais travaillé pour que j'ai appelé Yvette et j'ai dit, voilà, il faut que je donne quelque chose. Parce que Dieu veut te parler dans sa parole. On repart en arrière. Prenez Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Verset 27, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Ici, là, rien que là. Si vous creusez dans l'hébreu, vous avez... Je vais essayer de vous transmettre une petite partie de ces choses. Parce que vous avez... C'est de la dynamite. C'est quelque chose qui va te faire... qui va te conduire à teshuva, à retourner de ta vie. Au lieu de compter sur toi-même, tu vas apprendre à compter à celui qui t'a aimé, à Dieu. À cet instant, lorsque Dieu va créer Bara, Bara, dans son sens premier, est utilisé uniquement pour décrire une création à partir du néant. Je m'arrête. Dieu a une pensée. Et dans cette pensée, Dieu va faire jaillir cette pensée dans une autre pensée. Bon. Ayant pour signification une action liée à ce que Dieu fait, il y a une question de mouvement. Il y a toujours un mouvement dans l'écriture. Dieu pense, Dieu fait, Dieu construit, Dieu pense, Dieu fait, Dieu construit. Il y a ce mouvement dans l'écriture. Bara, une création à partir du néant, c'est-à-dire de rien,
ayant pour signification uniquement une action liée à ce que Dieu fait, notons que cette action n'est pas ici physique, mais purement spirituelle. Il s'agit de la pensée de Dieu. Vaibra Elohim et à Adam, Betsalmo, Betselem, Elohim, bara oto, zerar venekeva, bara otam, en hébreu. Et Dieu, en français, créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, et il les créa, mâle et femelle, zerar venekeva. Il créa l'Adam selon un modèle précis, pensé, à partir duquel il façonnerait l'être humain dans la création physique. Tu comprends ? Il y a entre la pensée de Dieu, la création qui va se faire pendant la pensée de Dieu, qui va trouver son accomplissement sur la terre avec le monde physique. Il faut qu'à un moment donné, la pensée de Dieu s'accomplisse. Pour nous. À un moment donné, ce que Dieu pense, il faut que ça trouve une réalité ici sur terre. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Le modèle parfait. C'est-à-dire celui de la pensée de Dieu. Celui dont il est dit... quand Jésus va se faire baptiser, hein, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. C'est cet Adam, l'Adam dans le ciel. Lui, l'image du Dieu invisible, n'est-ce pas? Vous allez voir, je vous dis, je déraisonne. Ce modèle parfait, c'est l'image de Christ. Et c'est ce que nous retrouvons lorsque dira Jésus. Jean 14, verset 9. Écoutez. Allez. Ouvrez les yeux de vos cœurs. Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Jésus, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et comment toi, tu montres-nous le Père ? Écoute, on va rentrer dans des trucs, je bénissais le Seigneur. J'étais dans la louange tout seul dans mon bureau, du moins la Katia. Je devais se dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa tête ? Il est fou. En réalité, c'est dans l'expression hébraïque. Alors, je vais vous relire le texte, d'accord ? Je vous relis le texte. Vaibra Elohim et à Adam, Betsalmo, Betselem, Elohim bara oto, zerach venekeva, bara otam. Voilà. Donc là, c'est dans l'expression Betsalmo, Betselem, traduite littéralement par dans son image, ou avec son image, qu'Hachem s'identifie intrinsèquement à l'Adam, c'est-à-dire à l'être humain, puisque le mot tselem en hébreu signifie littéralement une ombre portée ou un spectre, une silhouette sombre projetée au sol. Et Dieu va se manifester, il va faire une projection de lui-même au sol dans sa pensée, pour créer l'être humain. Et ceci nous étant confirmé par Paul et les apôtres, les évangélistes, tous ceux qui étaient là, ils avaient reçu toutes ces choses, reçu quelle était la grandeur de Dieu. Écoute, Colossiens 1, verset 5, 15, pardon, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Écoute,
Parce que nos frères juifs, ils ont pris les hébreux, les textes grecs, ils les ont retranscrits en hébreu. Et écoutez ce qui est marqué dans l'hébreu, parce que c'est beau. C'est « Va'out selem Elohim asher penao lo yarao va ouv bechor kol nivra ». Et lui, je traduis littéralement ce que les hébreux ont traduit dans les textes du Nouveau Testament en hébreu, je le traduis littéralement, et lui, c'est ce que Paul écrit aux Colossiens. Paul écrit aux Colossiens, à propos de qui ? Eh ben de ceux qui ne peuvent pas voir l'image du Dieu invisible. Et il va leur dire quoi ? Et lui, à où ? Lui, pas un autre, lui, le Christ, l'image du Dieu. Il est l'image du Dieu desquels sa face ne peut pas être vue, et le premier-né de tout ce qui a été créé. La Nivra. Nivra, il vient du verbe bara. C'est la même chose. Création qu'elle a, elle n'est même pas encore manifestée dans le physique. Elle est déjà créée parfaitement dans la spiritualité. D'ailleurs, Bereshit, bara, Elohim, et Aleph Tav. L'entièreté des cieux à Shamaïm va être l'entièreté, Aleph Tav, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, de la terre. La pensée, tout était déjà préordonné, prédisposé. Et alors vous avez des livres hébraïques qui vous font monter encore plus haut et qui vous expliquent... laissez tomber. Fort. Car par lui, les choses ont été créées, toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les seigneuries, les principautés, les autorités, toutes choses, et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ou encore, Hébreu, versets 1 à 3, Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi, héritier de toutes ces choses, par lequel il a fait aussi les mondes, et qui, étant le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait par lui-même, et voilà, tu as compris qui c'est le Christ ? C'est la dame Kadmon, c'est celui qui a été enfanté en premier, le premier-né de toute la création, qui descend, Yeshua, sur la terre, et qui a fait quoi ? Ben, la purification par lui-même des péchés, et s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Oh ! Tu comprends ? Tu entends ? Ton cœur s'ouvre à la grandeur de Dieu. Adam Kadmon, c'est le premier, c'est l'archétype. C'est la perfection. C'est l'image du Dieu invisible. Et là, on va rentrer dans vif du sujet de notre nature, parce que tu comprends bien quand on se regarde, il y a bien une différence entre celui qui est là-haut et celui qui est en bas. Il suffit de regarder. Alors, écoutez, Genèse 2:7. Ah, c'est Genèse 2:7 va nous éclairer en ce qui concerne l'accomplissement de la pensée divine pour la dame sur la terre. Genèse 2:7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Je vous la fais en hébreu. Vayatser Adonai Elohim et Adam afar min Adama vaipach ba afau nishmat chaim
Nishmat Chaim. Vayehi Adam le Nefesh Chaya. Il fallait que la sainte pensée, l'éternelle pensée, la pensée, cette pensée qui est là en attente d'être accomplie, puisse s'accomplir dans le monde de la création, puis dans le monde de la formation. Vous savez, la pensée de Dieu va être créée, enfantée, et de cet enfantement va jaillir la formation sur la terre. Il va utiliser le physique pour créer l'être humain, l'Adam Arishon, puis l'Adam Kadmon, l'Adam Arishon, le premier Adam, celui que tu vois, le glébeux, celui où il va prendre la terre pour former, le façonner. Et vous allez voir les trésors que le Seigneur m'a donnés, je vous les donne avec grande joie, vous allez voir. Pour ce dernier, c'est-à-dire dans ce monde de la formation, le Hachem forma, c'est-à-dire Yatser, à partir de la poussière du sol, du monde physique, Afar min Adama, il va former à partir de la poussière du sol l'Adam, le glaiseux, celui qui vient de la glaise, il va le façonner, il va le former ici. Ici, il souffla, après il va souffler dans ses narines un souffle de vie au pluriel, et on s'y attardera plus loin, Chaim, de vie pluriel, et l'Adam devint une âme vivante. Notons ici que le souffle de vie insufflé par Hachem devint l'esprit de l'homme, pas l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, la manifestation entre la création physique et le souffle de Dieu va créer l'âme, puisque Jean nous dit par la bouche de Jésus, et j'ai pris une version très montant, c'est une version biblique, 6 verset 63, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Dieu va souffler dans le glébeux l'esprit de l'homme, et la combinaison des deux va donner une âme vivante. C'est l'esprit qui fait vivre. Ici, le verbe employé par Yatsar, écoutez, il est là. C'est ce verbe-là. Vayatser. A une forme grammaticale particulière. C'est ce que l'on appelle un apax. Une seule fois dans toute la Bible. Ce verbe a la capacité de se conjuguer de deux manières différentes au même temps et à la même personne. Dans l'hébreu, vous avez des verbes qu'on appelle des péyodes et d'autres verbes que vous appelez des pévaves. Et c'est en fonction de la forme du verbe, c'est une version qui va être plus ancienne ou moins ancienne. Ce verbe est plutôt un pévave à l'origine, mais là, il est conjugué d'une manière différente qu'on appelle le péyode. L'hébreu nous invite ici à creuser, car c'est le seul endroit de la Bible où est conjugué à l'une de ces deux manières, les autres se retrouvant conjugués essentiellement dans l'autre manière. C'est-à-dire qu'à la place de ici, cette forme-là, à la place de cette forme-là, vous avez cette forme-là, Yatser, qui est écrit comme ça, là, et là, il vous manque un yod. Une petite lettre de rien du tout! La plus petite de toutes les lettres de l'alphabet, le yud. Je vais amener ça là. Vous allez comprendre. Oh, je le souhaite de tout mon cœur que vous allez comprendre. J'espère que vous allez comprendre. Le seul endroit. Pourquoi ? Pourquoi partout il est conjugué différemment ? Pourquoi ici il est conjugué comme ça ? Et ce verbe, vayatser, et il forma. Il forma. Ce verbe yatser signifie, écoutez bien, le travail du potier sur l'argile
Et dans les deux tiers des cas, il est employé dans le Tanakh, c'est-à-dire, vulgairement, l'Ancien Testament. Dieu seul en est le sujet. Verbe yatsar, qui veut dire former. Et le sujet de ce verbe, dans les deux tiers du Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, Dieu seul est le sujet de ce verbe. D'accord ? Jérémie 18, verset 6. « Ne puis-je pas faire de vous comme fait ce potier ? Ô maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme est l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô maison d'Israël. » Que veut nous donc transmettre ce scribe ? Parce que ce sont des scribes qui ont reconnu ces textes, qui les ont écrits. Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre, ce scribe ? Nous devons porter ici une attention particulière à ce mot, notamment sur la valeur numérique des lettres qui le composent. Alors, en hébreu, voilà, je vous ai fait quelque chose ici, les lettres en hébreu, elles ont ce qu'on appelle une valeur numérique. Une valeur numérique, ça nous permet de faire de l'exégèse biblique au travers d'une méthode qu'on appelle la gématria, qui est l'addition des valeurs numériques des lettres. Alors j'ai eu un sujet de conversation avec mon ami David il n'y a pas très longtemps à ce sujet, et bon, voilà, je vais essayer d'être clair. Par exemple, ici, vous avez le tétragramme sacré. Yud, E, Vav, E. Valeur numérique 10, 5, 6 et 7. Chaque lettre a une valeur numérique associée. Et ce total, si je les additionne, ça fait 26. Et si je descends un cran de plus, ici, ça fait 8. D'accord ? Ici, vous avez le mot Torah. Torah, c'est 400, plus 6, plus 200, plus 5. Ça fait une valeur numérique de 611. 611, c'est le nombre des commandements de Dieu que Moïse a reçus sur le mont Sinaï. Et les Juifs disent qu'il y en a 613 parce qu'ils ont entendu de leur voix deux commandements et ils ont dit à Moïse, stop ! On ne veut plus entendre Dieu nous parler. Toi, parle-nous. Parle-nous ! Et peut-être que dans nos vies ce matin, au lieu d'obéir au commandement de Dieu, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour trembler. Posons-nous cette question. Et quand vous faites 611, 6 plus 1 plus 1, ben, ça fait 8. Ça veut dire quoi ? Ben, que ça, c'est égal à ça. Autrement dit, les commandements de Dieu, ici, là, ils sont aussi dans le nom de Dieu. Font partie de lui. Intrinsèquement, à l'intérieur de Dieu, il y a ses commandements. Et vous allez voir la merveille. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Si nous observons ce mot yatser et que nous les additionnons juste, parce qu'on se pose la question à cet endroit-là, pourquoi il y a cette forme là, plutôt que cette forme-là, c'est pas normal. Un apax, une fois dans l'écriture, on cherche. Purée. Et là, le Seigneur me dit, mais regarde. Si j'additionne ces deux lettres, juste celle-là, ça me fait 10 plus 10, ça fait 20. 10 ici, 10 ici, si je les additionne ici, ça me fait 20. Et je cherche. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est 20 ? Ah, ben tiens, 20, yod, kaf, yod c'est 10, kaf c'est 20. Kaf ! La lettre kaf est égale à 20. Vous savez ce que c'est que cette lettre en hébreu ? Vingt, c'est la valeur numérique de la lettre kaf qui se traduit « le creux de la main » ou « la main ». Ainsi, nous comprenons que lorsque Dieu forma l'homme, il le forma par sa main. Le kaf
dans la pensée hébraïque, elle révèle l'intersubjectivité dans le dialogue, c'est-à-dire qu'elle manifeste sa relation à l'autre selon la subjectivité de chacune des personnes. Dans la relation de la main, Dieu va te créer, il va te donner la pensée de ce qu'il est, et tout en considérant la pensée de ce que tu es, il y a une espèce de dialogue quand Dieu va... Mais d'ailleurs, vous savez que cette forme-là, il va l'utiliser pour la création des animaux. Il va pas utiliser cette forme-là. Ça, c'est réservé à Adam. Une attention particulière de la main de Dieu qui va te former de la glaise. Il va te transmettre la pensée. Sa pensée. Vous allez voir. Elle révèle aussi une relation consciente, l'intimité dans le dialogue et dans le creux de la main cachée aux autres. Dieu te cache. En d'autres termes, lorsque Dieu touche à la dent pour le former à partir de la poussière, il lui transmet la pensée de l'éternité telle que nous la retrouvons en Genèse 1, 26. Et je prends trois versets, puisque la déclaration doit se faire sur la déposition de deux ou trois témoins. Job 10, verset 8, « Tes mains m'ont formé et m'ont façonné tout alentour en un tout et tu m'engloutis, verbe yatsar. Tes mains m'ont fait et façonné, rends-moi intelligent et j'apprendrai tes commandements. » Psaume 139, verset 73. Tes mains m'ont formé, yatsar, et rends-moi intelligent, j'apprendrai tes commandements. Et l'Ecclésiaste 3, 11 dit ceci, il fait toutes choses bonnes en son temps, et même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu qu'il a fait du commencement jusqu'à la fin. Tu vois, quand Dieu utilise ce mot pour te créer, il te communique sa pensée avec sa main. Vous allez voir. Ainsi, si nous décomposons le mot toujours plus sous le regard de la méthode exégétique appelée guématrie, d'une part, nous avions 2 iodes plus le vav qui nous donne résultat 26. Et ici, 26, comment il a fait la dent ? À l'image de Dieu. Dieu, c'est 26, n'est-ce pas ? Attendez, c'est pas fini. Parce que 26, c'est aussi 611, les commandements de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que quand Dieu te forme, il te forme selon son image avec les commandements en toi. En toi. Et là, quelque chose qui va, je crois, tous nous faire grandir d'un pas. Je l'espère. Et qui va répondre à ta question, Julien. Je réécris. Je ne sais pas si j'ai écrit assez gros, vous voyez rien du tout de loin. Je vais écrire plus gros. Je coupe ce mot en deux. L'hébreu se lit de droite à gauche. On a compris que 26, ici, et Vav, et c'est Dieu, c'est l'Éternel. Puisque ça,
ça fait 26, et que ça, ça fait 26. Devinez ce qui reste ici. Je vous le fais en 1000. De l'autre côté, nous avons le mot tsar, qui signifie l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, celui qui combat contre Dieu. Quand Dieu te forme, il y a la dualité. Pourquoi ? Parce que ce qui est saint rencontre ce qui est profane, la terre et le ciel et la terre. Tu as une dualité qui se forme ici, là, dans ta formation, à l'intérieur. Tout est grâce. Cette lettre, je dis cette lettre, c'est la lettre tsadé en hébreu. Tsadé en hébreu, ça veut dire le juste. Le juste, le tzadik, la justice. Regarde, regarde. Le train normal de la vie, en hébreu, puisque tu lis de droite à gauche, c'est dans ce sens-là. Dieu te forme et voici que tu pars dans ta vie, ici. Et voici que tu rencontres le Seigneur qui te révèle qui est Dieu. Et ici, ici, au lieu de continuer dans ta vie dans ce sens-là, vers l'ennemi, dans le sens qui est ennemi à Dieu. Ennemi de Dieu, c'est ça, ennemi. Tu te retournes et tu lèves les mains vers Dieu et tu dis « Délivre-moi de tous mes ennemis ». Le mot ici te sert, puisque tzadik ici, en hébreu, quand vous regardez ici, c'est un monsieur qui est à genoux et qui prie. Vous regardez la pensée hébraïque, c'est ça. C'est le juste, le tzadik, c'est celui qui est dans la prière face à Dieu. Tu veux être délivré de tous tes ennemis. Arrête d'avancer selon le train des ennemis. Tu fais tes chouvas, tu te retournes et tu adores Dieu. Et si tu adores Dieu, écoute ce que dit Dieu. Écoute ce qu'il dit. Écoute, 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 écoute. Nombre 10, verset 9. Oh, on est d'accord que Jésus nous a extraits de la puissance de Satan pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour, n'est-ce pas? On a vécu un exode céleste. On est d'accord avec ça. Donc l'Ancien Testament a une manifestation de ce qui est terrestre, vient prendre vie dans le céleste. On est d'accord avec ça. Alors écoute, nombre 10, verset 9. Et quand dans votre pays, dans votre pays, dans le pays, dans le pays que je vous montre avec vos yeux. Écoute, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous presse. Tsar, ici tsar, qui vous presse. Alors, vous sonnerez de la trompette avec éclat et vous serez rappelés en mémoire de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de tous vos ennemis. Alléluia. Oh ! Oh ! Il y a des combats ! Oh ! La pensée de Dieu, elle est là. Yatser ! Je t'ai formé avec ma main et je t'ai tout donné. Mes commandements, mon amour, mon nom, je t'ai tout donné. Et quand Dieu se révèle à toi et qu'il te manifeste, qu'au-dedans de toi, il y a des ennemis qui te combattent. Tourne-toi vers l'Éternel. Lève les mains au ciel. Et tu dis, délivre-moi de tous mes ennemis. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde. Tous. Et la désobéissance, elle est là. Elle est en toi. Tsar, ennemi. Ennemi de Dieu. La chair, ennemi de Dieu. Mais
quand tu rencontres le Seigneur. Alors, tu es ami de Dieu, puisque tu tournes le dos à tes ennemis. Dieu ne te demande pas d'affronter tes ennemis. Il ne te demande pas de leur faire face. Il te demande de leur tourner le dos et de l'adorer, simplement. Et lui, il te délivrera de tous tes ennemis. Aussi, pour finir, si nous allons un peu plus profond, un commentaire de Rashi. Un commentaire Rashi, c'est un commentateur de la Bible hébraïque. Il enseigne ceci. La présence de ces deux yod ici nous indique la présence de deux créations. Et je ne vous ai pas dit qu'il y avait Bara et Yatser. Il n'y a pas une création Bara dans la pensée et une création physique. Une pensée, une création pour ce monde, c'est pas moi qui le dis, c'est un juif qui le dit, c'est un juif qui le dit. Une pensée pour ce monde, une création pour ce monde et une création pour le jour de la résurrection des morts. Ainsi, parce que nous voulons de voir, nous pouvons comprendre complètement. Je connais la parole, oui, je comprends, non, mais j'ai besoin de la comprendre. Nous comprenons complètement, comprendre ce que Paul vient de nous confirmer dans son épître aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Et on revient, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et j'adore Dieu, et j'adore Dieu, et j'adore Dieu, et mes ennemis, et Dieu s'en charge. Seulement, fais demi-tour. Ça t'appartient. Ainsi, alors le produit des deux actions, à savoir le toucher de Dieu pour le former, l'insufflation du souffle de vie au pluriel, que l'Adam passa de la terre à la chair. De la terre à la chair. Et on va voir dimanche dans 15 jours comment ça se fait que Dieu nous parle de la terre et que d'un coup on nous parle de chair. Il est où le passage ? Comment tu me dis que je suis fait de terre et que je suis dans la chair? Mais tu as la réponse. Béni soit le monde scientifique. Parce que c'est incroyable ce qu'ils sont capables de nous donner. Et il nous faut comprendre des choses. Tu dis, bon. Ah ben moi j'ai béni le Seigneur. Je me retourne et je dis alléluia. Merci Seigneur, tu es bon. Ah oui, ah oui, ah oui. Ainsi, notons par ailleurs, et ça c'est l'introduction à dimanche dans 15 jours, par ailleurs que dans le mot terre, qui veut dire aussi rouge, Adama, rouge, se trouve le mot dame sang. Seulement tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang est la vie. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair, car l'âme est la chair, l'âme de la chair est dans le sang. Et moi je vous ai donné le sang sur l'autel pour faire propitiation à vos âmes, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Écoutez, un programme électoral, et vous en voulez des comme ça, plein de vérité. Seigneur, j'écris beaucoup, je suis bouillonnant, mais c'est parce que c'est le Seigneur qui fait ça en moi, sinon je ne sais pas le faire. Voilà. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net